Provigo, écoute, chez Provigo, cette semaine, ben, la poitrine et les hauts de cuisse, là, désossés. Donc, t'as le choix des deux. Parce que c'est du poulet, tu sais, le haut de cuisse, puis le suprême de poulet que j'appelle, c'est du poulet, c'est la même, c'est le même, la même poule, là. Mais c'est vraiment différent à la texture, au goût, puis la manière qu'on le fait cuire souvent aussi, c'est différent. Donc, écoute, ils sont au même prix, 3,99 la livre, ou si tu préfères 8,80 le kilo. Hein, on veut toujours savoir à chaque semaine aussi qui se trouve la poitrine de poulet désossée. Puis cette semaine, il a juste une place, puis c'est chez Provigo. Fait que, tu le sais. Écoute, la semaine passée, je fais une parenthèse, il l'avait à 3,75. Hein, ça, c'est un super prix. Fait que à 3,99, là, c'est pas mal. C'est le top prix normalement pour la spéciale pour cette protéine-là. Donc, c'est le temps de se faire des réserves quand il tombe en bas de ça, comme j'ai fait la semaine passée. Moi, j'en ai acheté là, pas mal. Fait que cette semaine, j'aurais pas besoin d'en acheter. Mais si tu n'as pas acheté la semaine passée, ben à 3,99, c'est ça que tu veux, ben il y en a, c'est chez Provigo. Aussi, écoute, chez Provigo, je t'ai parlé du bœuf haché tantôt, qu'il l'avait chez IGA, il l'a chez Metro, et il l'a aussi chez Provigo, mais celui-là ici à l'Extremeg. À l'Extremeg, à 3,99 la livre, tu préfères 8,80 le kilo. Donc là, tu as les trois. Le Mi-Meg à 2,49 chez IGA, 2,99 chez Metro, le Meg, et l'Extremeg à 3,99. Donc, entre le Extremeg à 3,99 et le Meg à 2,99, pas mal. Moi, je pense que le 2,99 là, à le Meg, c'est le top prix. Le top prix, là, pour ce qu'on veut faire avec du bœuf haché, bien sûr. C'est là que tu l'as. Mais c'est sûr que si tu cherches vraiment l'extra Meg, ben là, tu sais, ça va être chez Provigo, tu vas l'acheter parce que à 3,99, c'est vraiment le meilleur prix qu'on peut pas avoir là, pour de l'extra Meg, normalement. OK? On l'a vu, par contre, là, deux semaines, là, à 3,49, là. Pour l'extrême, ça c'était vraiment exceptionnel. Là, parce qu'à 3,99, c'est déjà très, très bon. Aussi, chez Provigo, ben écoute, le filet de saumon, on ne l'a pas vu la semaine passée, le filet de saumon. Comme ça, là, à 8,99 l'allée, où tu peux faire 19,82 le kilo. Ça, là, écoute, c'est sûr, on va manger parce que ça m'a manqué la semaine passée. Là, mon petit saumon avec mon petit riz, mon petit brocoli, là, ça c'est mon petit souper, là, un de mes soupers préférés, c'est certain, dans la semaine. Mais c'est pas le moins cher, hein, parce que même à ce prix-là, c'est sûr que moi, j'achète comme 800 grammes de saumon. Hein? Fait que si 1 kilo, 1000 grammes, ça coûte 20$. Là, 19,82, 20$. Ça me coûte quand même à peu près un 16$ là, pour mon souper juste en saumon, à part le riz. Puis c'est sûr que tu une couronne, par exemple, de brocoli à 99 cents avec un petit riz que j'ai fait. Parce que c'est sûr que tu as vu, hein, je te conseille des petits repas, toujours des repas super faciles à faire où tu n'as rien à préparer. Là. Tu prends des choses puis tu les assembles. C'est comme de l'assemblage, pas vraiment de la cuisine. Là. Tu ne commences pas à faire des tartes. Tu sais, quand tu prends, je ne sais pas, moi, un Kraft Dinner ou tu prends un sidekick, un riz ou une petite pâte, puis tu l'agences avec un brocoli puis une petite protéine. Tu sais, c'est pour te dépanner vite, vite, puis c'est vraiment pas cher. Mais idéalement, moi, des sidekicks, j'en achète parce que ça peut dépanner, mais idéalement, j'aime mieux faire mon riz la fin de semaine puis l'avoir toute la semaine après ça. Hein? Puis tu laves tes légumes aussi dans la semaine. Fait que quand tu viens ta salade, tu fais une petite salade vite, vite, tu prends une petite poignée de ci, de ça. Tu brosses tout ça avec un petit, je sais pas, une petite vinaigrette, le grec, là, avec ton petit poisson que tu mets ou quelque chose comme ça. Puis c'est, écoute, là, t'as des soupers super, mais. T'sais, écoute, des fois, on peut pas avoir des soupers toto à 2$ non plus par personne. Là. Surtout quand on veut manger la grande qualité comme du saumon, là, c'est sûr que là, ça va coûter plus cher. C'est un souper qui me coûte là, à peu près 5$ par personne. Puis quand même, c'est pas cher, là. C'est vraiment pas cher parce qu'au restaurant, ça, c'est une affaire qui vaut au-dessus de 20$ l'assiette. Ça, c'est sûr. Donc, c'est sûr que ça vaut la peine. Donc, ça, c'est chez Provigo. Qu'est-ce que chez Provigo? Ah oui, aussi chez Provigo, il y a le côte, les côtes de dos. Normalement, si je te dis tout le temps, c'est meilleur, c'est sûr, mais c'est plus cher aussi que les côtes de flanc, hein, parce que les côtes de flanc versus le côte de dos, ben, il y a plus de viande dans le côte de dos que le côte de flanc. Mais cette semaine, c'est le côte de flanc qui nous donne, OK? Mais là, il nous donne pas cher. Fait que, tu sais, il y en a moins, il y a plus d'os, c'est sûr, il y a plus de pertes automatiquement, hein, s'il y a moins de viande. Ça pèse la même chose d'une certaine façon. Donc, écoute, il est combien? Il est 1,99 l'allée ou si tu préfères 4,39 le kilo. Hein? La semaine passée, là, les côtes de dos étaient à 8,80 le kilo. Donc là, c'est la moitié, là, à 4,39. Là. Pas tout à fait la part. Oui, ouais, la moitié, exactement la moitié, parce que dans le fond, 4,39 plus 4,39, on n'est pas loin du 8,80. Hein? Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine. Tu as aussi la demi-longe de porc.
hein, à 1,99 la livre, ou si tu peux faire 4,39 le kilo. Donc, c'est sûr. Dans le porc, là, chez Provigo, ils nous donnent ces deux protéines-là, là, soit le demi-longe ou bien la côte de flanc. Donc, tu sais, quand même, si tu veux tester une petite marinade, quelque chose, des petits spirib, tu sais, ça peut être très intéressant avec la côte de flanc quand même cette semaine. Donc, tu sais, c'est chez Provigo que ça se passe. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo.